Elle a encore des étoiles plein les yeux, Assia Legras, quand elle visionne sa prestation en Californie en février dernier. Retenue dans le dernier carré des 54 concurrentes, elle a finalement remporté ce prestigieux concours international de danse orientale. Pour moi, je n'étais pas dans l'objectif de gagner et je savais que j'étais persuadée de ne pas remporter ce trophée. Et du coup, j'y suis allée vraiment naturellement. Je voulais prendre plaisir dans ma danse, profiter de l'instant présent et je ne me suis pas posé de questions. Une reconnaissance internationale pour cette jeune danseuse aux origines croisées de l'Orient et de la Réunion qui danse depuis toujours. Au sortir de l'adolescence, sa passion l'a conduite à Bordeaux pour se perfectionner en danse orientale avec de grands professeurs. La danse orientale a toujours fait partie de moi, de par mes origines. C'est une danse qui est pour moi vitale. Elle permet de m'exprimer, elle permet de me sentir bien, d'être épanouie. C'est une danse qui me touche profondément. C'est à Saint-Jean-d'Illac, près de Bordeaux, qu'Assia enseigne sa passion. Enfant ou adulte, la danse orientale séduit aujourd'hui beaucoup d'adeptes. C'est pourtant une discipline exigeante, loin des clichés, souvent répandus. C'est comme un sport, hein. C'est au même titre que du sport, donc ça n'a rien à voir avec le cliché qu'on peut avoir sur la danse du ventre. C'est aussi la technique, c'est aussi l'émotion, c'est aussi un bien-être qui se fait ressentir aussi à travers la danse. Ici, Assia avec la troupe du Belly Dance Evolution. Elle est l'une des rares Françaises à avoir intégré la compagnie américaine dirigée par la star internationale Jelena. Elle a une expérience tellement incroyable qu'on ne fait qu'apprendre et elle nous fait vraiment grandir aussi en termes de danse. Le mois prochain, Assia va repartir en tournée européenne avec le nouveau spectacle de Jelena. Malgré le succès, elle ne renoncera ni à ses cours, ni à ses proches, ni à son ancrage bordelais. Question d'équilibre pour cette jeune danseuse qui n'en manque pas.